individuelle en deux dimensions. Donc là, il s'agit de peinture ou de réalisation. Je pense que ça sert à rien. Donc la première œuvre qui a été le premier prix est pour l'œuvre numéro 28, pour une expression bien connue, je l'ai utilisée tout à l'heure, avoir le cœur sur la main. Et c'est une œuvre de Jean-Pierre Marie qui nous a produit un vitrail. Alors, je ne sais pas, il est là. Bien, donc une œuvre qui nous vient de Bu, et bien, Monsieur le Barbier qui est adjoint à Bu se fera un plaisir de lui remettre cette œuvre-là. Le deuxième prix, c'est une peinture de Valérie Aide, ou Aidée, je ne sais pas. Aide, Minute Papillon. Voilà. Mais il y a d'autres productions de la famille Aide à découvrir. À découvrir également le corps de son arc, avoir le cafard, etc. Donc, à découvrir également. Et puis, la troisième peinture, et bien voilà, j'avais bien oublié une commune. Michel, il doit être caché là-bas. Une œuvre de Mireille Maury de Luret, et pour une œuvre qui s'appelle Tailler la route. Alors, le premier prix récompense un habitué, un fidèle de Maxime Art, quelqu'un qui est plein d'ingéniosité, qui déjà cette année prépare le coup de l'année prochaine sans aucun doute. C'est l'œuvre numéro 37 qui s'appelle « Sauter sur l'occasion » de Claude Martin, que vous trouverez sur le devant de la scène. Est-ce qu'il est là, monsieur Martin ? Bien sûr. Monsieur Martin, toutes mes félicitations, à l'année prochaine. Et quand vous aurez vu sauter sur l'occasion, vous pourrez passer à l'œuvre d'à côté qui vous indiquera ce qu'il ne faudra pas faire avec l'occasion que vous venez d'acheter. Voilà. Bien, la suite est prête sur l'année prochaine.